Adultère. Je vous avais dit que on va essayer de faire d'un bloc. Je vais essayer d'aller des passages sur lesquels il va falloir que j'aille vite, car on est sur cette après la femme adultère. Passage, peu importe s'il est ou non de Saint Jean, il est mis là comme une transition avec une partie qui constitue ce chapitre 8 avec le chapitre 9, qui est la question de la lumière. Le Christ est lumière du monde. Voilà, véritablement. C'est comme ça qu'il va commencer à s'affirmer. On va avoir, entre guillemets, dans un premier temps, la fin du chapitre 8, le discours de Jésus, particulièrement sur son origine. Il est la lumière. Et dans un deuxième temps, pardon, le chapitre 9e, qui est l'aveugle-né. Évidemment, l'un va en lien avec l'autre. Donc Jésus, lumière du monde. Souvenez-vous du contexte, hein, on a eu il est présent pour la fête à Jérusalem. Il y a déjà eu quelques questions qui lui ont été posées. Il y a un certain nombre, on va dire, d'échauffourées et de discussions. On est encore de l'ordre de la discussion, hein, jusqu'à ce qu'il y ait un profond désaccord. Et le désaccord va arriver maintenant. Hein, on est sur le binôme voyant ou aveugle. Va-t-on se situer? Où se situe le disciple, celui qui veut voir la lumière du monde, ou qui accepte de la voir? Vous savez, ils ont des yeux et ne voient pas. Même si on dit ça de certaines idoles, Isaïe va le dire, pour qu'ils aient des oreilles et qu'ils ne comprennent pas, hein, qu'ils aient des yeux et qu'ils ne voient pas. Il va y avoir cette vraie question qui va nous être posée. Jésus commence tout de go. De nouveau Jésus, on est au verset 12 du chapitre 8. De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit: Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est une affirmation. Je suis. Vous avez toute cette série de je suis avec un qualificatif. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, voilà. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Voilà, toutes ces définitions, ces caractères, entre guillemets, de Jésus. Je suis la lumière du monde. Les pharisiens lui dirent alors, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas valable. On est dans un procès, souvenez-vous, hein, tout est très procédurier, très contemporain comme manière de faire, d'ailleurs. Hein, Jésus, donc, l'accusation, ce n'est pas, c'est tu ne peux pas, tu te rends témoignage à toi-même, tu affirmes par toi-même ce que tu es, prouve-le. Toujours la question qu'on pose à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Prouve-le. Il n'y a pas eu déjà des miracles. Bon, on va voir le miracle de l'aveugle-né après. Jésus leur répondit, bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Chose étonnante de la part du Christ de dire, je ne juge personne. Pas venu pour vous juger, venu pour vous sauver. C'est une autre manière de le dire, mais moi je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul, mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. C'est des thèmes qu'on a déjà entendus, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre maintenant, après une certaine expérience du style de Saint Jean. Mais et il y a écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin, témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. Parenthèse. Les premiers siècles chrétiens ont connu de grandes hérésies au sujet de la Trinité. Entre autres, une hérésie qu'on appelle le modalisme. C'est-à-dire qu'il y a bien un seul Dieu, mais qui s'est montré selon différents modes. Quand il veut se montrer sauveur, il se montre sous le mode du Fils. Quand il veut se montrer sur le mode créateur, il se montre sur le mode Père. Enfin, vous voyez, hein, c'est comme si on mettait un masque différent à chaque fois. C'est la même personne, mais il met. Là, on a une affirmation très claire de la distinction des personnes dans la Trinité. Il y a bien deux personnes. Donc, pour l'instant, ça ne choque pas les Juifs. À la rigueur. Il y a deux personnes, celui qui a envoyé, donc Jésus ne s'attribue pas encore de qualificatif divin, et il va donner ce terme de Père à Dieu. Mon Père, attention que c'est une expression qui est déjà hein, dans le contexte juif. Le côté exceptionnel, c'est l'emploi du terme Abba.
Il faut nuancer les deux choses. Hein. Mon père, cher d'Israël, le cri d'Élisée au moment du départ d'Élie. On va s'adresser à Dieu comme à un père. Ça, c'est faisable. Mais on ne s'adressera pas à Dieu en lui disant papa. Tout simplement. Hein, c'est l'expression Abba. Donc, là, pour l'instant, à la rigueur, pour les Juifs, ça va. Ils veulent vérifier quand même si c'est le Messie. Donc, l'expression, voilà. Ils lui disaient donc, où est ton père? On va vérifier. Quelle est cette relation? Qui est quand même très très particulière de la part de Jésus. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous ne me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et là, il y a donc une très grande identité. Il fait rentrer peu à peu dans le mystère. Si vous me connaissez, c'est donc que vous pouvez connaître mon père. Donc il y a quelque chose qui est en commun entre les deux. Vous comprenez le raisonnement? Et donc, il y a bien quelque chose de commun et quelque chose de distinct. Hein, nous, on a la réponse, c'est l'avantage, on arrive après. Hein, ce qui est commun, c'est la divinité. Ce qui est distinct, c'est leur personne. Mais ils ont en commun la même divinité. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore. Attention que Saint Jean écrit dans un contexte déjà d'un christianisme très hellénisé. C'est pas Saint Matthieu. Saint Matthieu, son évangile est encore très judaïsant. Il s'adresse à des judéo-chrétiens, des gens avec cette culture-là. Là, on voit bien que Jésus, tout en reprenant Saint Jean, tout en reprenant ses dialogues entre Jésus et les pharisiens, les a déjà, alors pas transformés, mais réacclimatés à des questions qui viennent de la philosophie grecque. Hein, ces soucis de distinction de personne, de divinité, on a quand même quelque chose. Et puis avec un fond d'hérésie face auquel il est... Saint Matthieu, il a prouvé qu'en Jésus, les Écritures s'accomplissent. Saint Jean, il a non seulement approuvé ça, entre guillemets, mais à la rigueur, les autres l'ont déjà fait. Il a surtout à montrer que dans des hérésies qui commencent à apparaître, il faut rétablir la vérité. Voilà le principe. Il prononça ces paroles au trésor alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, son heure n'est pas encore venue, son heure n'est pas encore venue. À vrai dire, Saint Jean, il écrit avec sept mots en tout et pour tout. Hein. Lumière, heure, enfin voilà, à la fin on les connaît, ils sont dans le prologue. Lumière, heure, vie, enfin, vous allez retrouver, il y a quelques mots qui reviennent régulièrement. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. C'est pas rien quand même de discuter avec Jésus. Parce que là, c'est vif. On a l'épisode de la femme adultère juste avant. Je dis peu importe si c'est authentique ou pas. C'est l'épisode de la femme adultère a remis cette question du péché. Bref, le péché obscurcit, tandis que accepter le Christ, c'est trouver la lumière. Hein, donc ce contraste ténèbres-lumière... C'est le contraste vie-mort, vous savez, tous ces binômes, hein, et puis péché et vie dans la grâce de Dieu, tout simplement. Enfin, tout simplement. Justement, il va falloir se situer. Les Juifs disaient donc, va-t-il se donner la mort qu'ils disent où je vais, vous ne pouvez venir. Alors, il y a quelques-uns qui ne comprennent pas. À vrai dire, de temps en temps, on ne comprend pas. Et ils ne retiennent pas dans votre péché, vous mourrez dans votre péché. Ah bon, il va partir on ne comprend pas, où est-ce qu'il va, etc. Et il leur dit, vous c'est d'en bas que vous êtes, moi c'est d'en haut que je suis. Vous c'est de ce monde que vous êtes, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors là, pouf. Pas comment dire, là il assène un grand coup. Vous voyez la progression. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il dit ? On est deux témoins, hein, le Père et moi. D'accord ? Dans un deuxième temps, il va dire qu'il y a quelque chose de commun entre le Père et moi. Et là, on arrive à la fin de son raisonnement. Vous voyez que ça se tient quand même. C'est pas Jésus les enseigne. Il va dire... moi, je suis. Donc, il va s'attribuer le nom divin. Donc, ce qu'il y a en commun entre le Père et moi, c'est bien la divinité. Vous suivez ? C'est très pédagogique, hein ? Comme manière de comprendre.
Alors, il y a bien deux personnes distinctes. Hein? Donc là, on a deux personnes, mais elles sont... En fait, là, ce serait plutôt le père et moi. Ces deux personnes ont quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, c'est la divinité. Je vais mettre plutôt Dieu, c'est divinité. D'accord ? Le « je suis », vous le traduisez par Dieu. Alors, « je suis », c'est l'expression grecque, exactement, « ego eimi ». C'est le « je suis »,« ego eimi ». Or, je ne vais pas... Enfin, personne ne peut dire « je suis ». Personne. C'est au sens total du terme. Là, c'est de la philosophie et profonde, hein. Mais je ne peux pas me lever, je suis. Non. Je tiens à l'existence, déjà. C'est pas moi qui me la suis donnée. Et pourtant, Descartes nous a bien dit... Eh ben oui, mais Descartes se met à la place de Dieu. Justement. La faute de Descartes, elle est là. Il va semer tout le monde, d'ailleurs, à cause de ça. Je ne peux pas dire « je suis ». Comme ça, de manière absolue. Parce que ça veut dire... Alors, je ne vais pas faire des philos quand même. Dans le mot, nous en français, c'est toujours le problème. Dans le verbe être, on trouve deux choses. À la fois l'essence, alors pas la gasoline, hein. L'essence, c'est-à-dire, si vous voulez, la nature profonde de la personne, de l'être, et l'existence. Je simplifie parce que si des philosophes écoutent ça, ils vont hurler parce que c'est voilà. Donc voilà ce que c'est, ce qu'il y a. Nous, alors, nous tenons notre essence, notre nature humaine, d'accord. Mais donc on l'a. Je peux pas. Je suis homme. Point. Je peux le dire ça. Mais je ne me la suis pas donnée. L'existence nous vient d'un autre. En Dieu, la différence, c'est que existence et essence sont uniques. Et donc, Jésus ne dit pas « je suis l'être ». Il va dire « je suis », donc c'est conjugué. Il dit même « je suis celui qui suit ». Alors, et il reprend évidemment « je suis » m'a dit. Alors, « je suis celui qui suit », va dire Dieu. Alors, « je suis », je suis voilà, celui qui tient son être. C'est l'affirmation du buisson ardent chez Moïse. Mais même... Que vais-je dire à Pharaon ? Que je vais dire à Pharaon ? Et Dieu va lui dire, tu lui diras que je suis. Alors simplement, je suis, va être l'expression aussi que Dieu va se donner à lui-même, au buisson ardent. Est-ce que j'ai l'endroit exactement ? Voilà. Exode au chapitre 3, 3.14, comme pi. On va retenir par cœur ça, c'est facile. Exode 3.14. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'envoie vers vous. C'est une drôle d'expression. C'est donc le fameux nom intraduisible et qui n'est prononcé qu'une seule fois à la fête du grand pardon. C'est très très important parce qu'on est justement dans cette période-là. Hein. Souvenez-vous, on est juste après le grand pardon. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment du grand pardon, le grand prêtre est entré dans le Saint des Saints et a prononcé le nom de Dieu. Le fameux, alors, Yahvé, c'est imprononçable en soi. Vous savez que Benoît XVI nous a demandé de ne plus l'employer. Quand je l'ai dans les textes, je le traduis toujours par le Seigneur. Le pape a demandé. Mais il est imprononçable parce que dire le nom de quelqu'un, c'est en quelque sorte le posséder. Alors, nous, on n'a pas ce rapport au nom tel qu'on peut l'avoir dans l'Antiquité, particulièrement en monde sémitique. On n'appelle pas quelqu'un par son prénom. On va l'appeler par sa succession. On ne va pas parler de Jésus, on va parler du fils de Joseph. Parce que dire de quelqu'un directement son nom, il faut être une autorité, c'est avoir autorité. Prononcer le nom de quelqu'un, c'est avoir autorité sur lui. Ça, c'est dans la culture sémitique. C'est compliqué pour nous. Donc, on ne prononce pas le nom et par conséquent, on ne peut pas prononcer. On ne doit pas. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu parce que dans ce cas-là,
on se l'attribue. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ces fêtes qui, pour nous, sont compliquées, du Saint-Nom de Jésus ou du Saint-Nom de Marie. Parce que le nom de Jésus lui-même, vous savez que normalement, pendant la messe, le prêtre doit incliner la tête chaque fois qu'il prononce le nom de Jésus ou le nom de Marie, particulièrement le nom de Jésus, pour montrer qu'il ne le prononce pas en mettant la main dessus, mais qu'il le prononce, alors on le fait dans le cadre de la liturgie. Et c'est extrêmement important que cette notion même du nom, en tout cas pour les juifs, c'est primordial. Donc le nom de Dieu en tant que tel n'est pas prononcé. Et ce fameux, alors en fait c'est ce qu'on appelle un tétragramme, c'est quatre lettres hébraïques, jamais vocalisées. Vous savez, l'hébreu, moi je ne pourrais pas parce que l'hébreu est resté de l'hébreu pour moi. J'ai essayé pourtant, j'ai jamais réussi à rentrer dedans, juste quelques connaissances. En hébreu, on a les lettres qui ne sont que des consonnes et on va rajouter des points, des traits au-dessous pour les voyelles, tout simplement. Le nom divin, c'est quatre consonnes qui ne sont jamais vocalisées, c'est-à-dire auxquelles on ne va jamais mettre les points et les traits, jamais. Point qu'on ne sait pas si on doit dire un « e », un « i », ça va faire du même mot « Jéhovah », c'est la même racine. Mais Yahvé. Et Yahvé est une manière qu'on a de le prononcer, est une manière qui est de le prononcer, a priori. De prononcer les quatre lettres. De prononcer les quatre lettres. Néanmoins, alors, le Saint-Père a demandé, c'est une note qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça, a demandé à ce que, particulièrement quand on a enseigné, qu'on n'abuse pas de ce nom. Par respect, parce que les Juifs ne vont pas le prononcer, d'une part, et d'autre part que nous-mêmes. Il vaut mieux le prononcer avec précaution. Parce que dans la Bible de Jérusalem, il y a beaucoup de choses. Et pas parce qu'ils le mettent. Alors, c'est parce qu'il y a deux problèmes. Alors ça, c'est très rapidement, c'est pareil, c'est un problème de Bible. Il y a deux manières, entre autres dans la Genèse, de dire Dieu. On va avoir le tétragramme, donc Yahvé. Donc ça va être toute une partie du récit qu'on va repérer à la manière, et il y aura aussi El. El, tout simplement. Et ça aussi désigne Dieu, dans une autre tradition. Donc on a la tradition yaviste et la tradition éloïste qui sont mêlées. La Tob a choisi, si vous avez une Tob, vous allez voir qu'à chaque fois ce sera le Seigneur en majuscule, pour montrer justement la différence entre les deux. Alors que la Bible de Jérusalem, alors peut-être qu'ils vont changer parce que les traductions datent d'avant. Alors si une nouvelle traduction paraît, ils vont peut-être choisir un autre mode. Mais il est vrai que quand je vous le lis, alors c'est plus dans l'Ancien Testament, je modifie à chaque fois le mot « Yahvé » par le Seigneur. Parce que dans les psaumes, dans la Bible de Jérusalem, on le trouve très souvent. Mais oui, bien sûr. La Bible de Jérusalem, parce qu'elle se voyait comme un outil de travail, pas un outil de prière, surtout pas. La liturgie ne le prononce jamais. Et on le transforme par le Seigneur. Qui va être dit, c'est si vous voulez, les Juifs le remplaçaient par le mot Adonai. Il n'y avait pas dans les lectionnaires, enfin maintenant ils sont changés, je pense que vous les avez changés. Modifiés. Ce qui semblait bien. Oui, oui, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre fois, ils sont changés. Ce que j'ai fait là, les petits carnets, juste en le. Mais non, parce que c'est un respect à avoir. Oui, c'est bien. C'est, voilà. Mais oui, et c'est très juste, parce que ça nous rappelle, nous aussi, qu'est-ce qu'on fait du nom. Qu'est-ce qu'on fait du nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais même celui-là. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et dans l'abîme. Oui, mais il faut avoir les moyens encore, hein, mon père. Justement, se mettre à genoux. Il faut encore avoir les moyens de pouvoir se mettre à genoux. J'entends bien. Ce que je veux dire, c'est par rapport au nom, plus que par rapport au truc. Bien se mettre à genoux. Mais le. Voilà. C'est dommage d'ailleurs que la fête du Saint-Nom de Jésus ou du Saint-Marie ne soit pas. Le moyen pour plus. Alors, elle est le 3 novembre, le 3 janvier, c'était. C'était le 3 janvier, la fête du Saint-Nom de Jésus, celle de Marie, elle est. Moi, je les célèbre toujours. Voilà. Je continue parce qu'il faut que j'avance. Ah oui, oui, ça. Donc, Jésus, en employant ce terme, je reviens à. En employant ce terme, c'est bon, s'il vous plaît, que je continue. Si je peux continuer, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En employant ce terme, par conséquent, il emploie. Et je vous dis, le nom de Dieu était employé
quelque temps avant. Donc en le disant, il va fermement, clairement dire, celui à qui vous avez demandé pardon il y a quelques jours, à qui le grand prêtre a demandé pardon au nom de tout le peuple en entrant dans le sein des saints, ego eimi, je suis, c'est moi. Donc il y a quand même une affirmation ferme. Et alors là, en face, ils lui disent, donc, qui es-tu ? Hein, on a toujours, vous souvenez, à chaque fois que je fais mes schémas, Jésus monte, ils ne veulent pas monter avec lui dans ce qu'il est en train de dire. Dès le commencement, ce que je vous dis, alors je recommence. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, on recommence. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. C'est lourd là, hein. c'est que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Et donc il reprend encore notre démonstration, il recommence. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Son affirmation. Attention qu'il prononce tout cela en hébreu, en araméen. Donc pas en hébreu, l'hébreu est la langue de la liturgie, l'araméen. Alors c'est proche, mais l'araméen, la langue courante. Et en prononçant cela dans la langue courante, évidemment qu'ils entendent quelque chose d'assez proche, mais qui n'est pas le nom divin. Le nom de Dieu est employé, et donc dans la liturgie, les juifs donc, ne le prononcent pas dans les psaumes. Quand ils prient les psaumes, ils remplacent toujours par Adonai. Ce qui est notre, c'est Adonai, c'est la même chose que voilà, Kyrie. Ce qui fait que ça m'avait frappé. Mais c'est lui donner un nom. Enfin là, on est en train de. Mais oui. Justement, Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru. Alors là, hop, on est dans une sélection. Il y a ceux qui ont cru, et il va quand même. Il dit, ah oui, c'est quand même pas mal ce qu'il dit. Alors là, il va enfoncer le clou, si je puis me permettre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah, une nouvelle définition du disciple. Celui qui demeure dans la parole et qui demeure à écouter la parole que dit Jésus. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Remarque, aussitôt, piqué au vif, mais nous sommes la descendance d'Abraham. Et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Il faut juste remarquer que c'est faux. À deux reprises quand même dans leur histoire. Jamais nous n'avons été esclaves de personne, c'est faux. Ils ont été esclaves de Pharaon et ils ont été esclaves de Nabuchodonosor. Hein? Donc à deux reprises dans l'histoire d'Israël, il y a eu l'esclavage. Comment peux-tu dire « vous deviendrez libre » ? Alors, on comprend leur remarque justement. On est du peuple choisi, du peuple élu. Et toute cette question-là, voilà, en descendant d'Abraham. Alors là, Jésus est sévère. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Paf. Saint Paul clarifiera ça encore, hein, avec expliquera plus clairement et déploiera toute la théologie du péché et de la grâce qu'on va retrouver chez Saint Paul, dans l'Épître aux Romains particulièrement. Mais là, très clairement, le péché vous rend esclave. Vous n'êtes pas libre. Vous avez besoin d'être libéré. Souvenez-vous, vous êtes obligé, vous venez de le fêter. Vous êtes bien d'accord. On est dans ce contexte-là. Or, l'esclave ne dort pas à jamais dans la maison. Le fils y demeure à jamais. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham et vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, ce que vous faites, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père. Alors là, on rentre en plein combat. Un vrai combat, Jésus va leur dire, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, acceptez d'être libéré du péché. Acceptez d'avoir besoin. C'est très contemporain. Hein. C'est pour aujourd'hui, ça. Acceptez d'avoir besoin d'un sauveur. La question de Jésus, on verra. On va voir évoluer la relation qu'il a avec les plus proches. On a l'impression que le cercle va se réduire jusqu'à être avec les 12. Retenez ce que je vous dis. Et les 12, ça va être au moment de la scène, tout simplement. Et même Judas va encore rester jusque-là. Et qu'est-ce qu'il va leur dire au moment de la scène ?
Hein, vous êtes plus serviteur, vous passez au mode ami. Parce que vous acceptez d'avoir, de trouver en moi le sauveur. Vous voyez l'évolution. Le disciple ne peut pas, c'est peut-être une erreur un peu contemporaine, d'essayer de dire d'abord Jésus est notre ami. Non, d'abord il va être notre sauveur. Et en effet, il fait de nous ses amis. Et même il va plus loin, il fait de nous ses frères. À quel moment? Quand il nous donne Marie comme mère. D'abord. Et ensuite, à la résurrection, quand il va l'affirmer, mon père est votre père. Bref, il y a toute une évolution du disciple. Là, le disciple est dans cette étape. Vous vous souvenez, un, venez, voyez, voir ce qui se passe. Donc, on va assister au miracle, au signe. Là, écoutez ma parole. Deuxième attitude du disciple. Troisième attitude, acceptez que je vous sauve. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Ils réagissent, on est juifs, on est descendants d'Abraham. Ce qui est beau en même temps. Ils prennent vraiment leur origine. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Ça veut dire, le ton monte. Hein. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Très clairement, ils lui disent, nous ne sommes pas des bâtards. C'est ça, le mot. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement une tradition qui se sait par rapport à la naissance de Jésus et la grossesse de la Vierge Marie. L'air de rien. Ben oui. Des choses qui peuvent se savoir, parce qu'il y a la famille de Jésus. Dans sa famille, il y a des gens qui ne croient pas en lui. Donc, malgré toute discrétion, et certainement, ils ne sont pas les criés sur tous les toits, je veux dire, nous ne sommes pas des enfants de la prostitution. Là, c'est une atteinte directe à Jésus et à Marie. Pouf. Là, on rentre, et pourtant, c'est ceux qui avaient cru en lui hein, qu'il s'adresse. Le truc, il essaie de leur dire, vous croyez en moi, mais allez plus loin, acceptez que je vous sauve. Voilà. Nous ne sommes pas des bâtards. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Alors là, ils sont montés. Ah, ils ont accepté quand même de monter d'un créneau, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus restés à « on descend bien d'Abraham, mais on veut bien, mais nous on a un Père, c'est Dieu. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Autre attitude du disciple, aimer Jésus, par conséquent. « Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. » Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Et la réponse est terrible. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui quand il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Soit dit en passant, pour les détracteurs par rapport à l'existence ou non du diable, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. D'accord ? Hein, qui est, voilà, menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché ? Là aussi. Jésus se distingue aussi. Il n'a pas péché. Je me souviens d'une dame cathée, ça avait horripilé mes parents, j'étais gamin. Oh, mais il a bien fait des bêtises, comme tout le monde. Il a pu être espiègle, comme un enfant, mais de là à faire des bêtises, c'est-à-dire à faire délibérément le mal, c'est faux. Pas possible. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs, la pauvre, c'est ce qu'elle avait en tête. Il pouvait être espiègle, il pouvait être un enfant. C'est sûr qu'il n'était pas assis, il a bien fugué. D'accord. Donc... Après ça, on ne le dit pas trop devant les ados, parce qu'après, ils font « Oui, mais Jésus aussi, il a fugué, on peut bien faire... » Non, non, c'est pas ça l'idée. C'est... Si la fugue, c'est pour terminer dans la basilique, ça va. Hein, mais bon. Pardon, il est menteur. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Et là aussi, Jésus va loin. En disant, de toute façon, toute personne qui va prêter un peu attention à ce qu'il dit et va un peu s'y attacher, il est déjà... C'est à la fois dans les deux sens. On a l'impression qu'il les exclut,
Mais pas du tout. À l'inverse, dès qu'une personne prête ne serait-ce qu'un bout d'oreille au message du Christ, même si ce n'est pas obligatoirement juste, si ce n'est pas, j'allais dire, si ce n'est pas dans l'Église catholique et romaine, etc., rien que ce fait-là, cette attirance, fait qu'il est déjà proche de Dieu. Il y a quand même une grande espérance dans cette expression-là. Les Juifs lui répondirent, n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Alors, deuxième injure, après bâtard, c'est Samaritain. Il y a pire comme injure, sachant que les Samaritains, eux, l'ont accueilli, souvenez-vous. Donc, c'est assez drôle. Le renversement de situation, c'est les Samaritains qui ont été le premier à l'accueillir, souvenez-vous. Bref, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et ça aussi, dans un combat, dans une joute oratoire, parce qu'on est en pleine joute oratoire, on va dire qu'il y a quand même une belle violence là, hein, et le ton monte, et bien dans cette joute oratoire, on a ces perles d'espérance. Quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. Encore une attitude du disciple. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. D'ailleurs, ils ont déformé ce qu'il a dit. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Nous y voilà. Bah ouais, je suis bien au-dessus d'Abraham. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie, lui dont vous dites il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Si je disais je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Ça, c'est une révélation parce que rien ne nous le dit dans la Genèse. Donc, quelque chose a été montré à Abraham. C'est extraordinaire. Abraham a eu, non pas une vision de sa postérité, au sens des étoiles et des grains de sable, mais a vu dans son histoire, on ne sait pas quand, c'est, moi je trouve ça extraordinaire, a vu le Christ. Alors il y a quelque chose très probablement au moment de l'annonce d'Isaac et au moment du sacrifice d'Isaac, aux deux moments. Il y a quelque chose qui lui est révélé entre les deux, quoi. Probablement plus au moment du sacrifice d'Isaac. Et souvenez-vous, pareil, parce que Saint Jean est complètement dedans, souvenez-vous en disant ça, ah, Dieu pourvoira au sacrifice. C'est Abraham qui le dit. Hein. Et donc, la parole d'Abraham, Dieu pourvoira au sacrifice, est prophétique à double titre. Elle annonce le Christ, elle annonce peut-être aussi ce qu'il a vu lui-même, ou en tout cas qu'il comprend quand ce n'est pas Isaac qu'il sacrifie. C'est très très beau comme passage. Au milieu, je veux dire, il y a ces perles au milieu de ce combat de paroles. Les Juifs lui dirent alors, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Et forcément, enfin, il est mort depuis un bout de temps hein, quand même. Abraham, 1800 ans avant, hein, à peu près. Entre 1800 et 2000 ans avant. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi je suis. Ça, donc là aussi, réponse à une hérésie de l'époque. Autre possibilité de se dire, tout à coup il y a eu, quand les temps sont accomplis, une émanation de Dieu. Hein, c'est encore très fréquent. Et c'est fréquent en raison, mais même aujourd'hui, hein, les Mormons sont de cet ordre-là. Jésus est une émanation de Dieu qui n'est pas à l'origine de la création, mais qui apparaît à un moment. Et donc, l'existence de Dieu, c'est pour ça que Saint Jean est obligé de dire « au commencement était le Verbe ». Il n'est pas une émanation. Tout à coup, quand les temps sont accomplis, pouf. C'est important à repérer. Et là, il le dit, « avant qu'Abraham existât, je suis. Moi, je suis. » Quand même, ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se déroba et sortit du temple.
Je suis allé vite, hein, pardon, parce que je vais m'étendre là maintenant sur la partition. Mais vous suivez le fond. Quand on a compris à peu près ça, parce qu'en fait c'est ça, il va tourner toujours autour de ça. Que ce soit la question de la gloire, que ce soit la question du témoignage, c'est à ça qu'il veut en venir. Je suis. Et je peux m'attribuer ce nom. Et il faut que vous l'acceptiez, que vous acceptiez d'être sauvé, parce que vous êtes dans le péché. Souvenez-vous qu'ils sont tous, on était juste l'épisode avant, ils sont tous partis. Commencez des plus vieux. Donc, conscients d'avoir toujours une marque en eux du péché. C'est juste après le grand pardon, donc a priori tous leurs péchés sont pardonnés. Il y a bien quelque chose donc d'inefficace. Et ça, l'Épître aux Hébreux l'explique bien, il y a quelque chose d'inefficace dans les sacrifices de l'Ancienne Alliance, puisqu'il faut les recommencer. Et il y a quelque chose d'inefficace parce que le péché, finalement, on en est continuellement marqué. Saint Paul va le dire, hein, c'est cette loi qui finalement emprisonne. Le Christ propose une liberté, mais qui une liberté qui passe par la reconnaissance du péché. Et vient l'épisode de l'aveugle-né, qui... en fait, permet de comprendre plus clairement et plus facilement ce qui a été dit avant. J'ai une très grande affection pour l'aveugle-né. Vous allez voir comment, par un miracle, on devient un vrai disciple, voire un martyr. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, ils le suivent toujours, ils sont un peu lents à la détente quand même. Il y a de quoi, parfois. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? J'ai raconté cette histoire l'an dernier. Une amie croisillonne qui a, à la naissance, un souci, et son enfant est très fortement handicapé. Il a eu 13 ans avant-hier, oui. Fortement handicapé. Et voilà, femme seule, vivant seule, avec un enfant. Et il y a eu un quiproquo à Groix, pas l'ancien recteur, enfin j'ai pas très bien compris, ça a été très compliqué. Vous savez qu'une île c'est encore pire qu'un village parce que tout le monde se connaît, etc. Donc elle était, voilà. Et elle m'a demandé, comme c'est une amie, écoute, j'aimerais bien que tu le baptises, mais je ne veux pas rester à Groix, est-ce que tu peux le faire à Breck? Donc j'ai baptisé à Breck, ce garçon de 12 ans, Qui n'a pas la parole, qu'on doit faire manger, qui est dans un fauteuil, qui n'a pas de... Elle a choisi cet évangile-là. Qui a péché, lui ou ses parents? Je vous assure que prêcher ce jour-là, pour un baptême, ça a été... Mais c'est intéressant. Et elle m'a dit, cet évangile m'a profondément touché. Et même réconcilié. Elle ne le connaissait pas. Elle m'a dit, mais c'est tellement mon histoire, ça. Qui a péché, lui ou ses parents? Et elle m'a posé la question, quand on a fait la préparation, qui est responsable? C'est moi ou c'est lui? Et je n'ai pu lui faire qu'une réponse, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. C'est quand même extraordinaire comme parole. C'est très contemporain aussi, hein. Enfin voilà. Et là, Jésus va montrer ce que sont les œuvres de Dieu. Alors après, on en est sorti au niveau de... Enfin, si, parce que l'évangile pour le baptême prend en question la guérison de l'aveugle. Cet enfant ne peut pas être guéri. Mais il a... Enfin voilà, il vit, il est la joie de sa mère, quand même. Petit passage, avant de... Par rapport à ce qui précède, je vous dis, c'est vraiment un petit paragraphe crochet. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyé ». L'aveugle s'en alla donc, il se leva et revint en voyant clair. Jésus est la lumière. Au commencement, était le Verbe, mais dans la Bible, hein, au commencement, dans la Genèse, au commencement, la terre était
Attendez, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, la ténèbre couvrait l'abîme et un souffle, un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit. On commence par ça. D'accord ? Je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il fait dans la foulée ? L'acte créateur. Qu'est-ce qu'il utilise pour recréer cet homme, lui rendre la vue ? Nous, on est dans le contexte, on a en tête aveugle, péché. D'accord ? Vu, disciple du Christ. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il refait l'acte de création. Tout simplement. Vous comprenez bien le geste de Jésus. Il recréait cet homme. Je vais juste retrouver un autre parallèle. Voilà. Soit dit en passant, pardon, j'ai oublié juste un petit détail. Sur la question, est-ce les parents ou lui qui est pécheur ? C'est... Une erreur tenace dans l'histoire. On accuse les enfants des crimes de leurs parents. Et réciproquement. Et c'est tenace parce qu'il est obligé de même, Dieu lui-même n'arrête pas de le dire. Et il le dit dans le livre d'Ézéchiel. Le fils ne portera pas les crimes de son père. Le père ne portera pas le crime de son fils. La justice du juste sera sur lui et l'impiété de l'impie sera sur lui. C'est clair. Mais néanmoins, entraîne le péché originel de le premier. Alors, entraîne le péché originel comme une marque dénaturée de nous-mêmes. Ça, oui, mais pas le péché actuel. Attention. On le sait bien, mais on ne peut s'empêcher. Un enfant d'alcoolique ne fait pas un alcoolique. Il ne porte pas ce que porte son père. Nous, on est dans des réflexes, mais aujourd'hui, c'est devenu ça parce qu'on est dans les réflexes de l'hérédité. Et encore plus importante, le génisme contemporain le met. La seule chose que nous portons, c'est cette marque de la nature humaine, à cause de nos premiers parents qui ont déchu cette nature. Mais on ne porte pas la responsabilité du péché d'Adam, on en porte la conséquence. Là, ce que Dieu essaye de faire comprendre, c'est à chacun ses responsabilités, entre guillemets, quant au péché. Je ne porte pas les péchés de mes parents. C'est voilà. Mais c'est important, parce que ça, c'est tenace dans la réflexion humaine, toujours. C'est la liberté. C'est la liberté et de l'individu, pour le coup. Ou la responsabilité. L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Bon, ça, c'est une chose, miracle. N'oubliez pas qu'il est aveugle de naissance. Donc là, gros miracle. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait assis à mendier ? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Lui disait, c'est moi. C'est très amusant parce que, alors, il n'emploie pas avec l'expression forte, c'est moi. Mais c'est très amusant parce que le miracle qui a opéré sur cet homme provoque la division encore autour de lui, comme Jésus. Souvenez-vous, hein, c'était le chapitre juste avant. Est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il va... C'est le Messie ? Non, c'est pas lui. Genre. Bon, c'est le mendiant qui était ? Non, c'est la foule. Saint Jean est terrible avec la foule en montrant son incohérence et son inconsistance. Hein, c'est voilà. Lui, il disait, mais c'est moi. Il lui dit alors, comment donc tes yeux sont-ils ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et m'a dit, va-t'en à Siloé et lave-toi. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est-il ? Il dit, je ne sais pas. Première étape. Ça, c'est intéressant parce que chez lui, et vous allez voir, il y a, premièrement, c'est la foule. Il est face à la foule. Et voilà, il est quoi ? On va juste dire qu'il va dans une description. Il décrit. C'est cet homme qu'on appelle Jésus, vous voyez, une distance encore. Deuxième étape. On le conduit aux pharisiens. On le conduit aux pharisiens, à l'ancien aveugle. Or, c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. C'est même très important que ce soit le jour du sabbat, le jour de ce repos du Seigneur, pour montrer que le Seigneur, lui, ne se repose pas
On avait déjà eu le débat de faire le bien. Bon. Alors, tous les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Alors, deuxième interrogatoire. Les pharisiens. La réponse est nuancée. Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Enfin, les nuancés. Fond. C'est comme l'évangile de Saint-Marc par rapport à Saint-Matthieu. Saint-Matthieu, Saint-Marc. C'est concis, voilà. Il redit la même chose. Certains des pharisiens disaient, il ne vient pas de Dieu cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes? Et il y eut scission parmi eux. Scission dans la foule. Scission chez les pharisiens. Alors il continue l'interrogatoire. Alors ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ah, il va avoir évolué. Quand même, comme un peu faire. Donc, description simplement de l'événement. Là, quand même, Jésus est passé au mode prophète. D'accord ? Les Juifs ne crurent pas qu'il était aveugle tant qu'ils n'eurent pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Alors là, on va appeler, dans ce jugement-là, donc, on va dire, d'abord, on entend l'aveugle. Bon, alors on va aller chercher papa et maman. Très bien, votre fiston. Ils leur demandèrent, celui-ci est-il votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc y voit-il à présent? Ouh, alors les parents frileux. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Ça, c'est bon. Comment il y voit maintenant? Nous ne le savons pas. Ou bien qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge lui-même. Lui-même s'expliquera sur son propre compte. Alors, comment dire? Oh, c'est bon, nous, la partie témoignage, dit juste, ah oui, c'est notre fils, il est né aveugle. La raison est là. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Alors, attention que Saint Jean, là, varie entre pharisiens et juifs. On est avec les pharisiens. Avait peur des Juifs, car déjà les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela que ses parents dirent, il a l'âge, interrogez-le. Ce qui est assez logique quand même, puisqu'il n'était pas là, les parents. Bah, ils n'étaient pas là, mais après, les choses se savent assez rapidement. Mais ils n'étaient pas témoins oculaires. Oui, mais ils peuvent insister. Ben oui, ils voient et c'est un miracle. Oui. Il y a aussi ça. Ils peuvent reconnaître le miracle. Ils ne le reconnaissent pas. Alors les parents, eux, ils se dédouanent. On serait dans une procédure judiciaire, ce serait exactement pareil. Oui, simplement là, on n'est pas justement. C'est ce qu'on essaie de comprendre avec Saint Jean par rapport à Jésus. Les parents se dédouanent, ne vont pas dire, ils ne reconnaissent pas de miracle. Vous comprenez? Et c'est là. C'est comment est-ce que des personnes vont bloquer par rapport à quelque chose qui est quand même miraculeux. Un aveugle de naissance qui voit, vous allez voir la suite, hein. C'est pareil. Ils appelèrent donc une deuxième fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons nous que cet homme est un pécheur. Donc là, rends gloire à Dieu, c'est une manière de dire, dis la vérité. C'est exactement comme la question du grand prêtre à Jésus, je t'adjure par le Dieu vivant, es-tu le Messie ou pas? Voilà. Donc là, c'est... La réponse est splendide, parce que là, le bonhomme est fin. Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle, et à présent j'y vois. C'est génial comme réponse. Je ne vous demande pas, vous jugez tout de suite la personne, je vous demande, d'accord, il fait la même chose que Jésus, regardez l'œuvre, regardez le signe, j'y vois. Il lui dira alors, que t'a-t-il fait? Comment, alors... Là, l'aveugle, dans un premier temps, prophète. Et puis, alors, je dirais presque un troisième temps, parce que c'est l'aveugle qui devient le, entre guillemets, le héros. Et vous allez voir que il est fin. Ou en tout cas, dans l'adversité, là, il va... D'abord, il reconnaît le signe. Évidemment, il a eu lieu sur lui-même. Il n'est plus de l'ordre de la description. Il est de l'ordre de dire,
il y a un signe qui a eu lieu. Vous saisissez le c'est tout doux et ça avance comme ça. Il lui dit alors, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Rebelote. Et là, il y a un peu d'ironie dans ça, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Est-ce que vous aussi, vous voudriez devenir ses disciples? C'est fin. Ce qu'il vient de dire aussi, c'est que non seulement il reconnaît le signe, mais que lui-même se situe comme disciple. C'est génial, ça. C'est de son témoignage, il bascule, lui, en disant, est-ce que vous aussi, si-t-il vous aussi, c'est que moi, je le suis. Moi, je le deviens, je le suis devenu. Et Jésus lui a dit trois mots, enfin, lui a fait aussi un miracle, quand même, accessoirement au milieu. Ils l'injurièrent, réponse, vous savez, toujours pareil. La réponse à l'incompréhension, c'est la violence. Regardez ce qui s'est passé hier, c'est toujours ça. La violence et la réponse du faible, tout simplement. Enfin, du faible, de celui qui est acculé. Ils l'injurièrent et lui dirent, c'est toi qui es son disciple. Ça va. Mais nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Dire fan de Chichoun, comme on dit chez nous. Et tout le dialogue avant, je vous rappelle. Il y a eu tout le dialogue avant. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le chapitre juste à... Nous ne savons pas d'où il est, mais quelle mauvaise foi. Donc, au moment où lui, cet aveugle-né, est en train de grandir dans la foi... Lui se retrouve confronté à la mauvaise foi de ceux qui sont en face de lui. L'homme leur répondit, et il a de l'aplomb. Et il est face aux pharisiens. Hein. C'est bien là l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. Je vais vous faire le raisonnement. Alors attendez, je vous le fais le raisonnement. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là il l'écoute. C'est une leçon qu'il a. Jamais on a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Syllogisme, la réunion, c'est QFD. D'accord ? Et c'est très vrai. Il va dans et j'allais dire, c'est le génie du bon sens du pauvre par rapport à la manière dont les intellectuels peuvent se faire des nœuds dans la tête. Quel bon sens. Alors, on va reprendre du début. Bon, Dieu n'écoute que les personnes qui sont justes dans la prière. Et il a guéri un aveugle-né, c'est donc qu'il est juste. D'accord ? C'est un syllogisme, il n'y a rien de plus. Alors, pour une fois, et puis alors, il n'est pas dans, vous savez, comme les orientaux, à tourner autour du pot. Hein, poum, poum, poum. C'est un raisonnement, alors pour le coup, à la Descartes. Et c'est imparable. Ils lui répondirent, de naissance tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon, reviolence, et ils le jetèrent dehors. Il s'est quand même mettre à la porte, le gars. Il est quand même arrivé à ce stade-là. Et moi, je dis qu'il y a un peu plus. Parce que ce qu'il vient de démontrer, il y a une action, non seulement... Et c'est là, n'oubliez pas, Jésus vient de le recréer, et nous parle comment est-ce qu'on sort du péché. Le salut qui lui a été offert... La santé, si vous voulez, c'est le même mot, salut et santé. Le salut qui lui a été offert lui permet d'avoir une vie qui est déjà dans l'Esprit Saint. Jésus l'expliquera plus tard, il vous dira lui-même ce qu'il faut répondre. Il entre déjà dans une intelligence de la foi qui lui donne à la fois la force, la sagesse, la science de Dieu. Enfin, vous comprenez, les dons de l'Esprit Saint lui sont presque déjà donnés. Alors, par anticipation, certainement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a guéri, il lui l'envoie se baigner, il l'envoie se faire baptiser, recevoir justement le baptême pour le pardon des péchés. C'est pas plus compliqué que ça. Alors nos pauvres pharisiens en face sont quand même décontenancés. Et vient enfin, c'est une rencontre émouvante. Mettez-vous toujours avec saint Jean dans le déroulement en tant que tel. Et là, on a cette magnifique rencontre de Jésus et cet homme. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Donc, jeté dehors, et puis avec excommunication. Il ne rentrera pas dans une synagogue, etc. Hein. Enfin, c'est ça que ça veut dire.
Il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Attention, il était encore resté là. Hein? Il vient quand même disciple et en disant, attendez, il a évolué, c'est un homme de Dieu. Et quand Jésus lui pose la question, crois-tu au Fils de l'homme? Très clairement, Jésus lui dit, crois-tu que puisse venir le Fils de l'homme de la prophétie de Daniel? C'est la prophétie de Daniel qui est directement mise en question. Donc Daniel a cette immense vision d'un être. Il ne décrit pas, il n'est pas clair, comme un Fils d'homme égal à Dieu. En tout cas, à qui est donné un pouvoir identique. Hein. Le livre de Daniel a voit quelque chose dans le Messie, bien plus qu'un simple homme politique, quoi. Bien plus même qu'un simple prophète. Et quand Jésus lui pose la question, il lui dit, attention, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Est-ce que ce qui t'est dit dans la parole de Dieu, donc l'homme en question a quand même entendu la parole de Dieu, d'ailleurs. Est-ce que tu crois vraiment que le Messie est bien plus? Réponse, et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Je pense qu'il y a un jeu et que l'homme sait bien. C'est l'homme qui est monté le plus vite. Hein. Vous vous souvenez, la Samaritaine, elle a du mal. Lui, il est monté tout de suite. Il a tout de suite saisi. C'est le plus pauvre. C'est le plus petit de tous. C'est pour ça qu'il m'émeut énormément. Tu le vois, celui qui te parle, c'est lui. Et alors, pareil, sans embâge. Alors il répondit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. C'est extraordinaire, ça. Il n'y a pas de détour chez l'homme qui accepte de se laisser convertir. En fait, chez l'homme qui accepte de se laisser guérir. Et il n'y a pas de détour. Il n'y a pas on ne fait pas des minauderies, etc. Il est brut, ce bon aveugle-né. Enfin, il n'est plus aveugle, d'ailleurs. Il est gardé dans la tradition sous le nom d'aveugle-né. Jésus dit alors, c'est pour un discernement. Et oui, souvenez-vous, la foule discernée, qu'est-ce que c'est? La foule est divisée. Les pharisiens sont divisés. Hein, il y a toujours ça. Qu'est-ce que c'est que discerner? C'est divisé. Or, que fait Dieu à la création? Il discerne, il sépare. Le jour, la nuit, la terre, la mer, le ciel, la terre. Enfin, c'est ça, l'acte divin créateur est un acte de séparation, non pas de division plutôt. Hein. Pas de division au sens d'opposer les personnes, pas d'opposition, mais voilà, un acte de discernement. C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et là, on est reparti avec le début, donc ce qu'on avait commencé avant, sur cette question du péché et de Kippour, de cette fête de Kippour. Où nous situons-nous? Choisissons la lumière ou pas? Et il vient de montrer, par son signe, il montre comment cet aveugle, là, devient voyant. L'aveugle devient lui-même voyant. Pourquoi? Parce qu'il va dire cette phrase simple. Je crois. C'est magnifique comme cheminement. C'est une des raisons pour laquelle l'évangile de l'aveugle-né fait partie des évangiles, vous savez, c'est un des évangiles du temps du carême. Deuxième, c'est la Samaritaine, donc c'est le troisième. Dimanche de carême. Non, c'est le quatrième, c'est les tarés. Je sais plus. Premier dimanche, c'est la transfiguration. C'est le troisième, c'est le quatrième. C'est bien ça, c'est le quatrième. C'est bien au milieu du carême. C'est un des suffrages qui a lieu à ce moment-là pour ceux qui demandent le baptême, dans cette démarche. Le carême est là pour ça. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, c'est le dimanche de la joie. Je suis sûr. C'est le dimanche de l'étaré, le dimanche en rose. Je fais une fois l'ornement rose, on ressemble quand même à une grande frestagueda. Mais ce dimanche-là, on va avoir cet évangile du voyant. Pourquoi? Parce que la joie du carême, c'est d'aller justement vers ce
cette reconnaissance, reconnaître son péché, se reconnaître pécheur, c'est aller vers la joie du salut. C'est aller vers la joie de la lumière. Donc voilà ce qu'affirme Jésus. Des pharisiens, hein, il y en a quand même qui se trouvent autour, il y a toujours un peu de monde, ils ont surveillé le gars quand même. Ils viennent de le mettre à la porte, mais ils l'ont suivi, et ils écoutent ce qu'il se dit avec Jésus. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ses paroles et lui dirent « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?» Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites « Nous voyons, votre péché demeure. » Vous êtes aveugle tant que vous dites « Je n'ai pas de péché. » Et là, c'est pour tout le monde. Non, je fais pas de péché, tout ce que les autres. Aveugle. Et c'est comprendre, c'est un évangile qui est très pratique, en parallèle avec l'enfant prodigue, évidemment. Mais, parce que l'enfant prodigue, c'est extraordinaire pour expliquer la démarche du pardon, hein, surtout à des enfants. Hein, et il est très parlant. Mais quand on a des adolescents, c'est beaucoup plus parlant celui-là. Parce qu'il y a voilà. C'est parce qu'on y voit là, dans l'enfant prodigue, c'est l'aspect positif, évidemment, de la miséricorde de Dieu. Dans l'aveugle né, c'est l'aspect positif de la joie d'être recréé. Vous comprenez ? Qui est dans le sacrement du pardon. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et cet évangile de l'aveugle né, en tout cas, trouve véritablement son... Voilà, sa place dans une démarche de pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu et il a cru. Vous en avez un à qui on va le reprocher, hein, souvenez-vous. C'est assez amusant parce que il y a ce lien aussi, je vais terminer par ça, il y a ce lien entre la vue et la foi. Et évidemment qu'ils n'ont pas encore une pleine révélation à la personne du Christ. Il n'a pas une pleine révélation de qui est Jésus. Voilà. Mais il a déjà un attachement. Enfin, il a vu. C'est pas la même chose que ce qui va être reproché à saint Thomas. Vous comprenez? C'est que là, il voit un homme qu'il a sauvé, mais il le voit. Il voit pour la première fois, donc il ne l'avait pas vu avant. De fait... Mais il pose cette adhésion profonde à sa personne. D'où la question que Jésus avait posée. Et tout le long de souvenez-vous aussi de la première question, cette question de la vue est aussi essentielle. Je vous dis, il y a quelques thèmes qu'on va retrouver régulièrement. Venez et voyez. Mais voyez et croyez. Et ça va se terminer en quoi ? Croyez sans voir. Heureux ceux qui croient sans avoir eu. C'est extraordinaire. Là aussi, la pédagogie du Christ, chez saint Jean, cette construction, d'où on passe? Mais nous aussi, nous on est dans la troisième étape. Simplement, on a le témoignage de ce qui est avant. De ceux qui sont venus et qui ont vu. De ceux qui ont vu et qui ont cru. Pour nous permettre à nous de croire sans voir. Voilà. Et quelle est l'attitude du disciple? Je reprends à rebours, c'est de faire justement, et nous aujourd'hui, comme Saint-Philippe, c'est Philippe le premier à aller chercher un autre. Viens et voir, va-t-il dire à Nathanaël. Et qu'avons-nous à faire? À dire à ces personnes, viens et vois. Qui vont voir ce qui se passe, quoi. Dans notre prière, etc., mais il y a toute l'expérience spirituelle qui peut se faire. Voir, et donc croire sans avoir vu. Enfin, il y a toujours... On rentre, le disciple va suivre cette attitude du Christ. On a de la chance, quand même, de continuer cette démarche. Et ça se passe par rapport au péché. Il y a quand même quelque chose d'essentiel. Mais là aussi, c'est notre manière de bien comprendre ce dont il s'agit quand on parle du péché et de ce que c'est véritablement que la joie du salut. Nietzsche détestait les chrétiens à cause de ça. À cause de ça. Parce qu'il y avait cette reconnaissance de faiblesse. Alors, dans son 19e siècle, il y avait sans doute une bonne part de jansénisme et par conséquent, un certain abattement
ça n'est pas du tout. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'expérience que certains d'entre vous du sacrement du pardon. Je n'ai pas eu l'expérience des confessionnaux difficiles. Je pense que voilà, certains ont dû avoir quand même cette expérience où il fallait faire la liste et c'était quand même terrible. L'expérience que j'ai, moi, de mon histoire du sacrement du pardon, c'est tout le contraire. C'était un plaisir d'y aller, c'est une joie d'aller rencontrer le prêtre, c'est d'entendre une parole qui nous est dite pour pouvoir repartir. Enfin, il y a un vrai changement hein, quand même par rapport au sacrement lui-même. Je pense que c'est important. Ça n'enlève rien à la responsabilité du péché. À se reconnaître aveugle, il faut, mais ça permet justement d'entrer. Cet évangile est exactement pour ça. Ah, il faut le relire. Quand on a un peu déprimé, qu'on ne sait plus comment, il faut relire le chapitre 9. Moi, je trouve, c'est celui qui me réjouit le plus. Et c'est l'expérience aussi de la Samaritaine, c'est les deux plus belles rencontres du Christ. Le chapitre 4 et le chapitre 9 de Saint Jean, on a ces rencontres absolument extraordinaires. Puis alors après on va voir la très grande dame, je vous dis ce que c'est et c'est le troisième évangile qui est utilisé de Saint Jean, qui est utilisé pendant le temps du carême. Je dis la très grande dame, pour moi c'est la résurrection de Lazare, la question c'est pas Lazare, c'est Marthe. Ah, elle s'agit peut-être, mais alors en termes d'une foi inébranlable, c'est assez impressionnant. Donc c'est celle qu'on verra. Entre temps on aura le bon pasteur, donc la semaine prochaine, oui, je prendrai le bon pasteur. Et je voudrais prendre Lazare aussi. Voilà, c'est pour vous dire. 11 et 12, on va essayer. Là, j'ai été rapide, j'avoue, j'ai moins détaillé. Je suis même allé vite, pardon. Il est 9h05, mais je vous ai dit l'essentiel. Voilà. Donc, c'est les chapitres 10 et 11. Et même chose, parce qu'ils sont liés. Je suis le bon pasteur, la porte des brebis, et la porte pour passer quoi? Pour passer la mort. Tout simplement. Donc les deux chapitres sont liés. Ce qu'est Jésus, voilà. Je vous remercie infiniment. Merci.